NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. J'ai dit aux Américains que l'assistance économique, financière et technique ne serait efficace que dans la mesure où elle ne serait pas au service des visées politiques. Si j'ai affirmé que le mot de neutralisme cachait trop souvent un engagement vers l'Est, je n'en ai pas moins insisté sur le fait que l'intérêt de l'Amérique était d'aider les États africains à devenir prospères et vraiment neutres. Dans la longue liste des dirigeants africains qui sont parvenus à la tête de l'État avec les indépendances, Fulbert Youlou fait partie de ceux qui, bien que n'étant pas resté aux affaires longtemps, aura marqué l'histoire de son pays d'abord par ses prises de position, mais également par son style atypique. Il est certainement l'un des personnages les plus controversés de l'histoire du Congo-Brazzaville. Homme providentiel pour ses partisans qui voyaient en lui un prophète, il était dans le même temps considéré par une grande partie de la classe politique et des syndicats comme un tyran mu par ses simples intérêts égoïstes. En tout cas, il ne laissait personne indifférent, tant ses positions étaient tranchées. Suite aujourd'hui de notre série consacrée à ce personnage, qui a d'abord marqué l'histoire du Congo en devenant le premier maire noir de la ville de Brazzaville. À l'unanimité, vos élus m'ont ce matin investi de la charge de président de la République du Congo. Avec émotion et gravité, je veux ce soir, dans le premier message du premier président de la République du Congo, vous dire quel sens j'attache à cette nomination et quelles responsabilités nouvelles me sont ainsi données. J'affirme d'abord que vos élus ont pris leur décision convaincus de la nécessité pour ce pays d'unir tous ses enfants sans distinction de parti, d'origine ou de race. Nous avons tous au cœur l'amour de la liberté, la fierté nationale, la volonté de construire un Congo qui soit un modèle d'État africain. De tels sentiments doivent effacer les divergences ou les oppositions suscitées autrefois par des mobiles infiniment moins nobles et aujourd'hui dépassés. Mon devoir est donc de travailler de tout mon cœur à cette union indispensable à l'avenir du pays. Union à l'intérieur, mais aussi union et solidarité avec la France dans le cadre de la communauté. Ce 21 novembre 1959, c'est la consécration pour le prêtre Larry, exilé un moment dans la brousse pour délit d'adultère, puis exclu de l'église quelque temps après par son évêque Monseigneur Bernard pour avoir désobéi à ses instructions, celle de ne pas se lancer en politique, de ne pas se porter candidat au scrutin législatif. Après avoir été le premier maire noir de la ville de Brazzaville et premier ministre du Congo, il est désormais à la tête du jeune État qui fait partie de la communauté française. L'heure n'est plus pour le nouveau président aux combines, aux intrigues contre l'opposition qui l'a affaibli. Il faut au moment de sa victoire parler d'unité nationale, de réconciliation. Pourtant, il ne desserre pas l'étau sur ses adversaires politiques. Son nouvel objectif est de mettre au pas les irréductibles du matsouanisme, un mouvement prophétique anticolonial fondé dans les années 30 par André Matsoua. Fulbert Youlou veut également réduire au silence un certain nombre de politiques qui lui résistent. «
Le 16 février 1960, pour répondre aux vœux d'une partie de la population congolaise, l'abbé Fulbert Youlou décide de renvoyer les membres européens de son gouvernement. Le ministre des Finances, Joseph Vial, celui des Affaires économiques, Henri Brou, et le secrétaire d'État à l'information, Christian Gell, sont remerciés. Mais s'il se sépare de ses collaborateurs français, il conserve en revanche dans son équipe le chef du service de la documentation, un ancien officier de la préfecture de Paris, un vichiste qui organise avec lui l'élimination de l'extrême gauche congolaise regroupée dans la Confédération Générale Africaine des Travailleurs, la CGTA, et dans l'Union de la Jeunesse Congolaise, l'UJC. Il va sous couvert d'un pseudo-complot communiste arrêter le 9 mai 1960 les leaders de la CGTA et de l'UJC, Julien Boukambou et Aimé Matika. Et vous-même, Antoine Kikoukangot, vous qui étiez pourtant son éternel opposant. Moi, je suis resté avec mes camarades en prison, mes camarades syndicalistes. Tolinganga Bel, Boukambou Julien, Matika qui deviendra aussi ministre de Massamba Déba, Alice Badiangana, Maungu et tant d'autres, Makoso Tchiapi. Et il avait demandé même au président Tombal Bay de nous accepter au Tchad. Mais j'étais l'ami du président Tombal Bay, puisque le président Tombal Bay lui-même, moi je suis allé le faire sortir de la prison quand j'étais syndicaliste. Et lui, à l'époque, n'était encore qu'enseignant à la suite d'une grève. Tombal Bay a dit, moi, je ne peux pas accepter Kikungango ici comme prisonnier. Je te demande de le libérer. Il n'y a rien. Et il y a eu quand même des pressions d'autres personnes. Il y a eu des interventions des députés. Il y a eu des interventions de la Confédération Générale du Travail, du Secours Populaire et de beaucoup d'autres démocrates. Malgré cette libération sous pression, le régime s'est durci. L'Assemblée va adopter une série de lois restreignant les libertés individuelles. Toute manifestation contre le gouvernement est désormais condamnée, ainsi que les publications considérées comme opposées à lui. Tout en complexité, Fulbert Youlou va à la fois se montrer dur, mais également conciliant, séducteur, vis-à-vis de ses adversaires politiques. Antoine Kikoukangot, l'ancien prisonnier, va même rentrer dans son gouvernement. L'abbé Fulbert est venu lui-même à la prison centrale une nuit pour me demander pardon. Alors que vous étiez en prison. J'étais en prison. Et que vous étiez enfermé sur sa demande. Oui, au moment de la réconciliation, j'ai été arrêté pour ce fameux complot communiste. Mais il s'est avéré qu'il n'y avait pas de complot parce que cette arrestation est due à quoi ? En ce moment-là, il y a eu des grèves à Brazzaville sur l'ensemble du territoire. Bon, il y a eu des grèves. Quand il y a eu ces grèves, les syndicats, toutes les tendances confondues, avaient lancé l'idée de faire la fusion du calcul des salaires. À la suite de ces grèves, ces messieurs qu'on appelle Vincent Delarue battent, montent une affaire comme quoi on était en train d'ourdir un complot communiste pour renverser Youlou. Et comme c'est la plupart des dirigeants étaient de la CGT, donc la Confédération Générale du Travail, dont je faisais partie. J'étais responsable de la Confédération Générale du Travail. Et comme moi, je ne voulais pas aller avec Youlou, je n'étais plus ni député, ni ministre, et j'étais simple, petit éleveur du Congo, ben, on m'a impliqué dans l'affaire. Et lorsque je suis arrêté, je suis enfermé à l'hôpital, à la prison centrale de Brazzaville, qu'on appelait sans payer. Bon, pendant 6 mois, les avocats sont venus, on a cherché des documents, des preuves de cette conspiration des syndicalistes, il n'y avait rien. Parce que ceux qui étaient arrêtés, ce ne c'était que des dirigeants socialistes, dont... C'était ses adversaires politiques, en somme. Voilà.
Conforté sur le plan national, désormais le principal maître à bord du bateau Congo, Fulbert Youlou, se lance dans une autre entreprise. Il veut se faire une place au milieu de ses pairs africains. Il se montre ouvert en faveur d'une grande union au moins sous-régionale. Il est d'ailleurs l'un des rares, sinon le seul dans l'ex-Afrique équatoriale française à rejoindre le président Barthélemy Bouganda dans son idée des États-Unis d'Afrique latine. Le projet de grand ensemble qui réunirait les territoires ex-colonies de la France, de l'Espagne et du Portugal. Une union qui permettrait de mieux faire face aux grands ensembles internationaux qui dominent le monde. Une idée combattue par les leaders de la sous-région qui ne veulent absolument pas voir leur pouvoir se diluer dans un grand ensemble. Pour Fulbert Youlou, c'est par là que passera la survie des micro-États de la sous-région. Nous sommes en train d'ouvrir tous les maillons qui resserraient faisons notre force commune. N'allons pas trop loin dans le sens de la division. Autant, je salue avec joie les républiques du Tchad, centrafricaines et du Gabon, en même temps que la République du Congo, autant, je souhaite qu'entre elles demeurent des liens constants, solidement établis, qui seront le meilleur gage de leur commune prospérité. Nous voyons bien de toutes parts, dans l'ancienne AOF, les efforts qui partout agissent dans le sens de l'unité africaine. Si les formes diffèrent, les buts sont les mêmes. La Fédération du Mali a fait choix d'un drapeau et d'un gouvernement commun aux républiques du Sénégal et du Soudan. La République de Côte d'Ivoire s'associe au même instant par des liens plus souples, mais aussi efficaces, aux républiques de Haute-Volta et du Niger, tandis que la République du Dahomey cherche sa voie dans l'une ou l'autre tendance et, ne l'ayant pas nettement définie, voit ses structures mises en cause. Les républiques sœurs de l'ancienne AF ne doivent pas aller chacune leur chemin, mais marcher ensemble sur la même route de l'amitié. L'union douanière est à instaurer sans embâge et d'une manière définitive comme les offices communs des postes et télécommunications et des transports comme aussi certaines écoles, certains services que nous avons intérêt à gérer ensemble pour le profit commun. L'heure est aux grands ensembles économiques et ce n'est pas dans le temps même où s'élabore le marché commun de l'Europe que nous allons détruire ou amoindrir celui qui existe déjà en Afrique. Dans un monde dont l'évolution est marquée par la formation des grands blocs monétaires et économiques, il serait paradoxal de s'orienter vers l'isolement. Et ceux même qui pourraient, à première vue, estimer que la solitude est une solution favorable, est une position favorable, s'apercevront vite à la réflexion que leur intérêt bien compris va dans le sens d'une solidarité agissante. L'union fait la force. Ce vieil adage conserve toute sa valeur et nous avons tous à gagner à maintenir ou à bâtir cette union. La même politique est nécessaire à l'intérieur de la République du Congo. Le gouvernement n'a d'autre pensée que d'effacer des blessures encore vives et à souder entre elles, dans l'union des cœurs et des esprits, les différentes régions qui forment la République et qui ne comptent à ses yeux que des citoyens égaux en droit. Puisse cette journée marquer le départ d'une grande solidarité entre nos républiques sœurs comme entre nous-mêmes. Telle est la leçon de la communauté. Telle est la leçon du général de Gaulle. En élevant ce monument à sa gloire, la République du Congo a voulu non seulement honorer le plus grand homme d'État des temps actuels, mais marquer son désir de suivre la voie qu'il a si hautement tracée. Au début de l'année 1960, l'abbé Fulbert Youlou a assis son pouvoir sur le Congo. Il multiplie également les réalisations sur le plan national. L'un de ses bijoux dont il est particulièrement fier est Radio Congo, qu'il inaugure en mai 1960. Ici Radio Congo,
Nous vous mettons maintenant en liaison directe avec l'extérieur de nos stations, d'où Henri Métro va vous faire le reportage de l'inauguration officielle de Radio Congo. Alors, attention, à vous l'antenne, Henri Métro. Eh bien, oui, je prends le micro juste au moment où arrive le président de la République, Monsieur l'abbé Fulbert Yolo, qui maintenant descend de sa voiture. Il est accueilli devant notre station par Monsieur Pontillon, directeur général de la radiodiffusion d'Outre-mer, et par Monsieur Haïkour, directeur de Radio Congo. Et je crois qu'il va tout de suite commencer la visite de notre station. Aussi, nous allons nous approcher avec notre micro. Radio Congo. Tout un peuple te fait confiance. Tout un peuple, chaque jour, heureux de recevoir ton message, pourra connaître la vérité génératrice de salut. Radio Congo, au nom du peuple congolais, je te souhaite prospérité et longue vie. Indépendance. En 1960, commence un peu partout en Afrique une vague d'indépendance. Paris, certainement lassé par les velléités autonomistes qui se multiplient un peu partout, et probablement désireuse de réduire les difficultés auxquelles elle se trouve confrontée avec ses anciennes colonies, décide d'accorder en cascade leur autonomie au territoire du sud du Sahara. Un départ qui se fait par étapes. Tout démarre par transfert de certaines compétences. Michel Debré, le premier ministre français, est au Congo-Brazzaville en juillet 1960 pour la circonstance. Par les actes de transfert que nous venons de signer, désormais, Centrafrique, République du Congo, la République du Tchad seront des États indépendants. Sans doute, du point de vue essentiel, vous l'étiez déjà. Vous avez souhaité acquérir cette souveraineté totale. Et du même cœur que nous avions ensemble fait accéder les anciens territoires d'outre-mer à la personnalité et à l'autonomie, du même cœur, nous vous accompagnons sur la voie de la souveraineté et de l'indépendance totale. Malgré la personnalité affirmée de vos États, vous souhaitez conserver entre vous des liens amicaux et en même temps des liens politiques. J'ajoute que dans ces liens amicaux et politiques qui vous unissent, vous nous accueillez et nous sommes désireux d'être présents. Ce transfert des compétences précède de quelques semaines seulement le grand jour. Le jour tant attendu, comme le disaient la plupart des dirigeants africains. L'accession à l'indépendance. En 1960, le Congo tout entier est en fête. C'est le jour tant attendu, le grand jour, de D-Day, comme disent les Américains. Toute la ville de Brazzaville est réunie à la place de l'hôtel de ville, ce qui est devenu aujourd'hui l'avenue Amilcar Cabral pour ceux qui connaissent la capitale congolaise. À la tribune, le président l'abbé Fulbert Yolo et un envoyé très spécial du général de Gaulle qui n'a pas pu effectuer le déplacement. André Malraux en personne. Monsieur le président de la République, Excellences, Mesdames, Messieurs, cette nuit a retenti la salve solennelle qui salue l'indépendance des peuples et qui retentira dans la mémoire de vos enfants comme celle qui saluait jadis la naissance des rois. Voici donc l'un des plus grands jours qu'ait connu votre histoire, jour d'autant plus émouvant pour nous que le destin de l'Afrique d'hier et celui de la France libre
se sont accomplis côte à côte. Brazzaville, vous a dit le général de Gaulle, fut un des hauts lieux de la France combattante. Hier, le président de la République du Congo et moi sommes allés déposer une gerbe au pied du monument de Félix Séboué, qui sut unir sa fidélité à la plus féconde confiance dans les qualités africaines. Au pied du monument de Brazza, qui affirmait avec un espoir trop souvent trompé que quiconque toucherait son drapeau deviendrait un homme libre. La radio vous l'a dit cette nuit. Pour chacun de ces deux morts exemplaires et fraternels dont le dialogue préfigure le nôtre, c'était une gerbe en forme de V, la victoire de la Croix de Lorraine. Et comme chaque fois il n'y avait qu'une gerbe, le président de la République du Congo tenait l'une de ses branches et l'envoyé du général de Gaulle tenait l'autre. Monsieur le Président, donnez-moi votre main. Elle a serré pour la première fois celle du général de Gaulle il y a bien longtemps. Et devant l'histoire, je suis heureux que ce soit la vôtre. Voici l'indépendance du Congo et le drapeau vivant de la communauté. Messieurs les représentants du président de la communauté, Excellences, mes chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, cette indépendance de la République du Congo, mes chers concitoyens, je la proclame solennellement et universellement en présence du représentant personnel du général de Gaulle, président de la communauté. Nous sommes ici tous associés en cette heure historique à la réalisation du vœu unanime du désir le plus cher de tout notre peuple. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le même temps que notre indépendance est proclamée, ce qui signifie notamment que nous allons avoir notre propre armée, notre propre diplomatie, nous avons voulu affirmer notre attachement à la communauté. Cette indépendance, proclamée en grande pompe, marque un tournant décisif dans l'histoire de Fulbert Youlou, qui est désormais le seul maître à bord. Mais avec cette accession à la souveraineté, commence une autre aventure avec ses réalités et ses désillusions. Comment aurions-nous pu demeurer insensibles quand nous voyons réaliser le désir le plus noble et le plus cher de tout un peuple? Comment ne pas être ému en constatant le réalisme de cette France amie qui a su nous conduire à la plénitude de la souveraineté dans l'estime et l'affection, affermissant nos pas dans la conduite des affaires sans réticence ni arrière-pensée, sachant bien que sa place auprès de nous est d'abord assurée par les sentiments que nous lui portons et continuerons à lui porter. Nous avons conscience, messieurs, de nos responsabilités. Nous savons qu'elles s'accroîtront à la mesure des droits nouveaux et totaux que nous acquérons aujourd'hui au terme d'une évolution économique. Cette souveraineté acquise est le début d'une nouvelle aventure pour Fulbert Youlou qui tient les rênes du bateau Congo. Nous en parlerons dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Thank you.
Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique, Alain Foucault. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le général de Gaulle est venu à Brazzaville pour y proclamer une charte des droits des peuples africains. Il y est revenu pour y proposer la communauté. J'y suis aujourd'hui en son nom pour y fêter l'indépendance. Quel qu'ait été dans le monde entier et pendant tant d'années, les conditions parfois affreuses de l'histoire, la France peut être fière au moins de ce matin historique. Pour vous, pour nous, pour le monde, il couronne nos rendez-vous de l'histoire et de la liberté. Ce n'est pas un transfert d'attribution, c'est un transfert de destin. Voici en face de l'indépendance. J'ai connu de grandes heures de la joie africaine, l'anniversaire de vos républiques dans l'exaltation et dans les danses, avec l'enthousiasme saccadé des tam-tams, l'heure éclatante qui fera dire plus tard dans les terres de détresse, les nôtres auront un jour vécu selon leur cœur et selon le nôtre. Salut, République du Congo, dont l'espoir est le nôtre. Vous connaissez tous l'insigne de notre drapeau commun. Une main africaine serre une main française. Monsieur le Président, donnez-moi votre main. Elle a serré pour la première fois celle du général de Gaulle, il y a bien longtemps. Et devant l'histoire, je suis heureux que ce soit la vôtre. Voici l'indépendance du Congo et le drapeau vivant de la communauté. Le 15 août 1960, jour de l'accession du Congo-Brazzaville à la souveraineté internationale, célébré en grande pompe dans tout le pays, est également celui de la consécration pour un homme, un curé exclu du clergé quelques années plus tôt. L'abbé Fulbert Youlou, premier président de la jeune République, qui tient désormais tout seul en main les rênes de la nation. Après avoir été le premier maire noir de la ville de Brazzaville et avoir occupé le poste de premier ministre, il est désormais le premier chef de l'État. Le seul maître à bord, surtout qu'à cette date, il a totalement affaibli l'opposition politique et la veille de l'indépendance, il a sous la pression des autorités françaises pu obtenir un accord, une entente avec ses principaux adversaires. Voici ce qu'en disait Antoine Letambé Ambili, un de ses anciens collaborateurs et directeur de cabinet. C'est un entretien que nous avons eu à Brazzaville il y a quelques années, c'était peu de temps avant sa disparition. J'étais témoin oculaire parce que j'avais assisté à cette rencontre entre les trois grands leaders de notre pays. Ça s'est passé le 13 août 1962, deux jours avant l'indépendance. Jean-Félix Youlou dira, je suis jeune. Effectivement, Youlou est né en 1907. Et Jean-Félix est né en 1905. Au Pango, Youlou est né en 1917. Opango est né en 1907. Jean-Félix Tshisekedi est né en 1905. Il dit, je suis votre jeune frère. Maintenant, nous allons à l'indépendance. Vous, Jean-Félix Tshisekedi, vous prenez les fonctions de ministre des Finances. Vous, Jacques Opango, vous prenez les fonctions de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et la main dans la main, nous allons prendre l'indépendance le 15 août 1900. 60. Jean-Félix Tshisekedi dira, Monsieur le Président, mon état de santé laisse à désirer. Je vous donne à ma place mon lieutenant Germain Bikouma. Bon, Jacques Opango, il faut accepter les fonctions. Ainsi, le 15 août,
1960. La main dans la main. Eh bien, il y a eu le grand défilé à la place de la mairie de Brazzaville, où l'on a vu les femmes léopards, l'emblème de Jean-Félix Tchikaïa, les hommes caïmans et les femmes caïmans de Philibert Hulot, les hommes coqs et les femmes coqs de Jaco Pango, défiler la main dans la main, mettant en application ces paroles de notre hymne national. Oublions ce qui nous divise. Soyons plus unis que jamais, vivant pour notre devise, unité, travail, progrès. Ainsi, nous avons, la main dans la main, célébré notre indépendance. Suite de notre série consacrée à Fulbert. Fait de nouveaux pas en avant dans le resserrement des liens qui unissent les 12 États africains et malgaches, membres du groupe de Brazzaville. L'Union africaine et malgache est dorénavant constituée. Elle ne sera pas seulement une communauté économique, mais aussi une alliance militaire où tous garantiront la sécurité de chacun et une entente diplomatique où nous harmoniserons nos politiques extérieures. Cette union ne délimite pas un bloc africain et qui se poserait en se posant à un autre bloc. Bien au contraire, elle est ouverte à tout État africain indispensable et notre plus cher espoir est qu'elle s'élargisse rapidement. Rien ne nous sépare en réalité des autres États d'Afrique noire, y compris ceux qui appartiennent à ce qu'on appelle le groupe de Casablanca, la Guinée, le Mali, le Ghana. Et il serait mortel pour l'Afrique que les deux blocs qui s'opposent à l'Est et à l'Ouest inscrivent sur notre sol une frontière d'État client. Devant les dangers des guerres qui menacent le monde, il est indispensable, au contraire, que nous prenions tous conscience de notre appartenance à la grande communauté négro-africaine et que nous nous rapprochions les uns des autres. Conforté à la tête du Congo, le président Fulbert Hulot entame aussitôt une démarche de séduction sur le plan panafricain. Il veut se faire une place au milieu de ses pairs. Une ambition pas si aisée que cela dans cette période où les positions vis-à-vis de l'Occident sont particulièrement tranchées et opposées. Par une politique anticommuniste et très pro-occidentale, dite modérée, il cherche à attirer les investisseurs dans son pays. Il affirme bien sûr sa volonté de poursuivre la coopération avec la France et les autres pays francophones du continent. Il va même organiser à Brazzaville une conférence intercontinentale rassemblant les chefs d'État francophones dits « modérés ». À l'issue de cette rencontre est créé le groupe de Brazzaville, bloc anticommuniste et ancêtre de l'OCAM, l'Organisation commune africaine et malgache. Parmi les invités de cette conférence, Joseph Kasavubu, le président du Congo belge, et le leader katangais Moïse Tshombe. Fulbert Hulot les réunit certainement pour mieux isoler le nationaliste congolais Patrice Lumumba, accusé de sympathie communiste. Moïse Tshombe est le préféré, l'ami du président Fulbert Hulot, bien qu'il ait envisagé un temps avec Kasavubu, Congo comme lui, de créer un grand État à Congo. Fulbert Hulot est tout en contradiction. Alors que quelques années plus tôt, il est aux côtés de l'abbé Barthélemy Bouganda dans son idée des États-Unis d'Afrique latine et qu'il s'offusque avec le président centrafricain sur l'attitude du Portugal qui fait obstruction à ce projet de nation qui devrait réunir tous les territoires de colonisation latine de la région, on va le voir prendre quelque temps après position pour un dialogue avec Salazar lors de la répression coloniale portugaise en Angola. Il est le seul dans cette position sur le continent à cette époque. Je pense que l'Afrique indépendante doit chercher à résoudre tous les problèmes qui se posent à elle, d'abord et avant tout, de manière pacifique et par voie de négociation.
De cela, il est bon que personne ne vienne à douter. Mais il y a plusieurs méthodes et plusieurs moyens de décoloniser. On peut agir l'arme à la main. On peut aussi agir par voie de persuasion et de négociation. Je ne crois pas au bienfait de la guerre ou de la lutte armée en Afrique. Il s'en suivrait le chaos là où elle viendrait à passer. Je préfère la négociation et avec le poids de toute l'Afrique, la négociation doit aboutir. Un autre problème se pose ou pourrait se poser, celui des Portugais au Congo. Je tiens à leur dire que nous ne les tenons pas pour responsables de la politique de Lisbonne qui est faite en dehors d'eux et que nous n'en tirerons pas grief à leur encontre tant qu'ils garderont une position réservée. Je leur en donne l'assurance, souhaitant toutefois et qu'ils comprennent et appuient nos efforts pour une solution pacifique et négociée, la seule qui soit digne d'hommes libres dans le siècle où nous vivons. Malgré son anticommunisme viscéral, malgré ses critiques vis-à-vis du groupe dit de Casablanca, Fulbert Yulu cherche à nouer des relations avec le révolutionnaire Ahmed Sékou Touré. D'abord parce qu'il veut se positionner en africaniste convaincu, mais aussi et surtout parce qu'il compte beaucoup sur les mines de bauxite de Guinée dont il a besoin pour son projet de barrage de Kouilo. Il va d'abord se rendre à Conakry pour rencontrer le chef de l'État Sékou Touré. Et comme le veut la tradition à l'époque, le président guinéen va à son tour lui rendre une visite historique à Brazzaville. Nous sommes en juin 1963. Et Brazza est en ébullition à l'arrivée du président africain le plus populaire de l'époque d'après-indépendance. Comme à son habitude, le grand orateur va électriser les Brazzavillois. Fulbert Yulu doit, pour la circonstance, se mettre au diapason. Il faut qu'il soit à la hauteur de celui qui symbolise pour tous à ce moment-là la résistance à la colonisation, la révolution, la fierté africaine. À votre tour, vous voilà notre hôte. Nous attendions ce moment avec joie, comme aussi avec une grande impatience. Seigneur, Dieu est venu parmi nous. Le peuple congolais, le gouverneur de la République du Congo et moi-même, saluons en votre personne le précurseur que vous avez été, que vous êtes encore. Celui qui a distingué le premier la voie à suivre et a montré le chemin. Je vous dis le prix que nous attachons à votre visite. Alors, bon. En ce que nous avons eu l'honneur d'accomplir en Guinée, dont le souvenir est au cœur de chacun de nous, par la chaleur de la réception qui nous fut réservée, et la fraternelle affection qui encourage chacun de ces moments. Puisse notre accueil répondre au vôtre, si spontané et si attentif. Dans la grande famille africaine que nous formons, vous avez, Monsieur le Président, une place de choix. Brazzaville, par ma voix, déjà vous acclame, ainsi que la délégation guinéenne qui vous accompagne, et que nous sommes heureux d'accueillir avec vous. Vive le président Sékou Touré, vive la Guinée.
peuple est en train d'applaudir tandis que le président Sékou serre la main au président Youlou. Le voici donc qui va maintenant prendre la parole. Monsieur le président de la République du Congo et cher ami Gilbert Youlou, monsieur le ministre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est pour moi un devoir et un agréable plaisir que de pouvoir traduire en quelques mots les sentiments de réconfort, les sentiments d'estime et de confiance qui animent les membres de la délégation guinéenne présente parmi vous, et aussi de pouvoir vous communiquer les salutations fraternelles et l'assurance d'une volonté de coopération étroite de la part du peuple de Guinée de son gouvernement. Chers amis, ensemble, nous referons l'Afrique. Vive le président Gilbert Youlou. Je vous prie de crier avec moi. Vive le président Gilbert Youlou. Si sur le plan diplomatique les choses semblent aller pour le mieux au Congo d'après indépendance, il n'en est pas de même pour l'économie. Et dans la population, dans les milieux syndicaux, commence à monter un certain mécontentement devant ce que certains perçoivent déjà comme la gabegie, le niveau de vie beaucoup trop élevé du régime Youlou. Les mois qui s'annoncent risquent d'être moins agréables pour le premier président de la République du Congo. Nous en parlerons dans cette série d'archives d'Afrique consacrée à Fulbert Youlou. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série. Écoutez Archives d'Afrique, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique.